Mais nous oui. Nous oui. Oh, il me manque juste. Thank you.
Légende, future légende du club. On va commencer par l'équipe bleu foncé. Alors, Sylvain Delay, il est entraîneur de vétérans maintenant. Et, il a joué à l'époque, il était très très jeune, il avait la même coupe de cheveux. Hein. Lui, bah, je sais pas comment dire, c'est le papa de lui. Et je pense que lui, c'est mon premier entraîneur. J'avais 7 ans. Et puis je crois que si l'école de foot va bien à Chichon, si le club va bien, c'est pas que parce que la première est en tête ou en deuxième ligue inter, etc. C'est aussi à la base de la pyramide et puis je crois qu'on ne dit jamais assez, mais merci Baba, puis je crois qu'on peut vraiment l'applaudir. Vous me connaissez parce qu'il a été président, il a été convocateur, entraîneur, joueur. Et puis je vous jure encore, maintenant encore, il en fait, mais on ne voit pas forcément, mais les matchs quand ils ont lieu, pas lieu, il se fait insulter parce que voilà, le match ne se joue pas ce jour-là, on se joue sur le terrain du bas, il est moins beau que le terrain du haut. Et par vous le nom, monsieur Michel Cruchon. Alors voilà, là j'arrive à une chose critique, il n'a pas été joueur de la première équipe, hein, c'est juste. Voilà, t'as vite arrêté pendant la préparation. Il était membre du comité président du coup des, je crois, une dizaine d'années, si je ne me trompe pas. Voilà, vous l'entendez des fois crier au bord du terrain dimanche. Ça arrive, mais pas tout le temps. Voilà, et puis il aime bien le chasse là. Monsieur Serge Jeune. Bravo.
première ligue au sein du club. On a des anciens internationaux suisses aussi. Anciens joueurs professionnels, dont vainqueur de la Coupe avec les Aspas. Hein. On a regardé encore ça ce matin. Monsieur Urs Pamert. Semaine à marquer nos terrains, donc un énorme merci pour le travail que tu fais. Bravo! Monsieur Sergio, aussi enfant du club, entraîneur, il s'applique beaucoup aussi de manière bénévole au sein du club, monsieur Cyril Gibon. Il est devenu aussi vice-président du club, il a entraîné des juniors, il a joué à la 2, il a dépanné à la 1. Et puis l'année prochaine, il prend du service officiellement comme entraîneur de la 2. Il passe pas mal d'heures, si la solo peut marcher, si tout ce qui était technique au sein du club fonctionne, c'est quand même grâce à lui, si le mélange est plus proche, c'est aussi grâce à lui aujourd'hui. Monsieur Dominique Baff. Bravo. Le dernier joueur de bande, enfant du club, à nouveau de l'Espécicha. Il a la chance d'en fêter deux promotions. Je pense que c'est grâce à tous les étudiants, grâce à notre président de Kiel, tous, grâce aux hommes et les hommes, à la journée, etc. Monsieur Daniel Chopin. De droite. La seule mode qu'il y a. Alexis.
attribuer qu'on gagne au présent, on va attribuer le deuxième prix au numéro 3, qui est Mathias Upegui. Premier lot, Ryu Benjamin, pour une catégorie toute petite, puisqu'il est 2012, pour le jeu des plaques à Alissa Chauffa, qui a fait 1180 points. Elle a battu tous les seigneurs et les terreaux réunis. Bravo Alicia! Bravo Alicia! Bravo Alicia! Bravo Alicia! Non, alors il y a un comité central qui travaille pour le club, puis il y a un comité qui a été mis en place pour le 50e, que ces festivités se passent bien, je crois qu'elles se sont bien déroulées et puis qu'on a eu de la chance d'avoir du soleil ce week-end. Alors, j'oublie personne du comité qui a travaillé pour cette organisation, mais je tiens spécialement à remercier Karine Cornu pour le boulot qu'elle a fourni pendant, depuis 2 semaines presque, hein, t'arrêtes pas, il y a eu d'autres choses avant, mais elle a vraiment bossé depuis quelques jours, je crois qu'on peut l'applaudir et lui dire merci parce que c'est du travail de l'ombre. Et puis Gisèle aussi qui a fait sourire nos enfants aussi, donc merci beaucoup Gisèle pour ça. J'accepte volontiers vos remerciements, par contre je tiens surtout à les partager, parce qu'une fête comme ça, c'est pas une personne, c'est vraiment un esprit groupe, et il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre, qu'on ne remercie pas, donc je citerai personne parce que je vais en oublier, mais c'est vraiment une histoire d'équipe, je crois que c'est ce qui fait ce genre de choses dans ces clubs, c'est l'esprit d'équipe, donc merci et bravo à tout le monde, et à bientôt pour les prochaines aventures. Oh.